Then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Yes YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous avez bien, on est de retour les amis, enfin sur une aventure incroyable et de légende que vous me réclamez maintenant depuis bien trop longtemps. C'est la reprise des vidéos sur la chaîne tout bonnement parce que il y a quelques jours j'ai été en formation, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu pas mal de ralentissements, vous avez eu que Lego Batman, vous avez eu du Dino Crisis, mais j'avais envie pour cet été de conclure certaines choses que j'ai pu commencer il y a très très longtemps de cela, mais en plus, et parce qu'avec Stal en ce moment on remate Naruto Shippuden, j'avais très 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 envie de me remettre dans le bain, de réintégrer l'histoire incroyable de ce petit Naruto, parce que j'ai quand même grandi avec et c'était vachement bien. Et aujourd'hui, on va se faire Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, c'est la First Burst édition sur PC. Sachez d'ailleurs que ça ne va rien changer en termes d'histoire, mais tout de même, je l'ai, donc je suis quand même content de vous la montrer. À la base, j'aurais dû vous faire la version PS3, puis il y a eu pas mal de changements, ma PS3 a lâché, j'en ai eu une nouvelle, puis finalement j'avais autre chose de lancé, donc j'ai mis de côté, enfin bref, voilà. Il s'est passé 2 ans entre les deux, 2 ans et 1 mois d'ailleurs très précisément, et aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous dire qu'on reprend enfin l'histoire principale. Petite précision pour ceux qui n'ont pas joué à Naruto Storm 2 ou qui ne connaissent pas l'histoire, ou même qui ne connaissent pas carrément l'histoire de Naruto Shippuden, je vous invite à vous arrêter là, à surtout ne pas regarder l'épisode 1 et l'aventure qui va en suivre, puisqu'on va reprendre l'histoire directement en plein milieu de Shippuden, après la fin d'un arc très important en plus de ça. Alors, je mets des guillemets parce que oui c'est important, mais en même temps, c'est pas non plus une fin d'histoire, donc on voit ça comme on veut. Bref, je vous invite honnêtement, si vous ne les connaissez pas, à aller voir Naruto Storm 2, à aller voir peut-être Naruto Storm 1, bien que pas nécessaire en termes d'histoire, mais au moins, s'il vous plaît, Naruto Storm 2, histoire de vous mettre dans le bain, et ensuite de me retrouver de nouveau pour ce Storm 3. Petite précision, pour les personnes qui me rejoignent et qui sont nouveaux sur la chaîne, nouveaux ou nouvelles d'ailleurs, hein, pardon, j'adopte un format d'anime pour la durée des épisodes, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont durer entre 20 et 30 minutes. Voilà, c'est à peu près tout je crois. Il y a une petite nouveauté tout de même puisque dans Naruto Storm 2 je n'avais pas encore la cam intégrée. Maintenant je la mets dans toutes les séries que je peux. Donc eh bien vous aurez la cam. Bien évidemment je la retirerai pour les cinématiques. Voilà, ça va être bien, ça va être extraordinaire. On repart avec le petit Naruto. On repart avec les techniques les plus incroyables du monde des animés. Enfin avec le Kamehameha et bien d'autres. Mais voilà, c'est reparti. On reprend après l'arc de Pain, pour ceux qui savent bien de quoi je parle. Et on s'attaque à quelque chose de très 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 gros et de très 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 massif pour la suite. C'est parti! Nouvelle partie! On va voir un petit peu comment ça se passe. Je sais pas par contre si je remettrai la cinématique du tout début. En tout cas, un truc est sûr, c'est que ce chargement, je vais le sauter. Parce que ça, ça ne va pas du tout. En tant que maniaque, ça c'est juste pas possible. Quoique. Quoique, il est assez rapide, ça me laisse le temps de parler. Je vais tout de même vous le laisser. Mais sachez que c'est exceptionnel. Parce que d'habitude, ça, je le fais pas. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3 Full Best Edition. Bah ouais, non mais je le doute parce que je suis déçu aussi, y'a pas de voix pour annoncer le titre comme dans Storm 2, c'était trop stylé ça, ça me manque. これは英雄の物語。
悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。 まさに命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。 ここはやらせない。 飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。 飛んだか。 早いな。 知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。 こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。あら。 Plusieurs petites précisions avant qu'on commence réellement. Tout d'abord, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas eu l'occasion de jouer, et même si j'ai des techniques qui sont toujours ancrées là-dedans, il va falloir que je me chauffe un peu. Deuxièmement, et c'est à propos des fameuses décisions ultimes qu'on voit à l'écran et qui vont nous être expliquées, puisque si je m'en rappelle bien, durant certains combats de boss ou importants dans le jeu et l'histoire, on va avoir la possibilité de choisir la difficulté qu'on voudra pour certains combats, mais ça va nous permettre d'avoir des scènes dantesques, des combats bien plus durs, et surtout des cinématiques exclusives si je me trompe pas. Petite précision aussi en termes d'histoire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, avec Stahl on a regardé Naruto, on en est en plein début de Shippuden, ce qui veut dire que je me rappelle pas en détail de ce qui se passe après le combat de Pain et de l'Akatsuki, donc je vais essayer d'être discret à ce niveau là, parce que si je commence à dire des trucs et que ça s'est pas encore passé, que ça se passera pas ou que je dis n'importe quoi, je sens que je vais me faire allumer dans les commentaires. Et une petite dernière chose, dites moi en commentaire si cette série vous plaît, si vous êtes content de voir la reprise de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, et surtout et eh bien si vous êtes fan de Naruto, voilà tout bonnement, sur les décisions ultimes. Les décisions ultimes ont lieu pendant le scénario, dans les combats contre les boss et dans divers endroits, ce que je vous ai du coup. Ici, vous prenez la place du personnage et vous choisissez une voie qui modifie le scénario et le jeu, et en plus de ça la difficulté, mais on n'en a pas parlé. Point de héros et point de légende, il y a deux types de voix, la voix du héros et la voix de la légende. Quand vous terminez la voix du héros, vous obtenez des points de héros. La voix de la légende vous permet d'obtenir des points de légende. Bon, jusque là c'est assez logique. Sur décision ultime, amélioration de la palette, les points font grandir votre palette d'objets et vous pouvez utiliser des outils de ninja plus puissants. Alors il faut savoir un truc, c'est que je me démerde pas trop mal dans les Naruto Storm en général,
mais je n'utilise quasiment jamais les objets. Je vais essayer d'avoir le réflexe de le faire, mais je sais que c'est un truc que j'avais pas aimé dans Storm 3, parce que justement, on commençait à nous dire qu'il fallait les améliorer, qu'il y avait des objets qui étaient meilleurs que d'autres en fonction de tes actions ou quoi, et j'avais autre chose à dire. Alors, bien que je vais me remettre en plein dans le jeu, il faut savoir qu'entre chaque Storm, 90% du gameplay est toujours le même, mais il y a toujours un petit truc subtil qui change, donc si je commence à inverser les touches, c'est peut-être parce que dans Storm 2, il était possible de faire un truc qu'il est sûrement pas possible de faire dans ce Storm 3. Donc voilà, c'est pour ça. Du coup, en termes d'outils ninja, on verra bien, hein, sur l'édition ultime, vous pouvez obtenir des points de héros, des points de légende en gagnant certains combats. Vous gagnez généralement plus de points grâce aux combats impliquant des décisions ultimes ou en terminant des événements. Alors, on a notre premier choix du game, et bien évidemment, le choix de la légende. Et je pense le choix le plus intéressant, mais aussi la difficulté la plus grandissante. Donc, je sais pas. Ah, je crois que j'ai compris. En fait, je pensais que c'était le même combat, mais avec une difficulté différente. Pas du tout. Pas du tout. En fait, à gauche, on a le combat de Minato contre l'étranger qui contrôle Kyuubi. Et à droite, on a la défense de Konoha. Donc ça m'étonnerait pas qu'on joue... Ouais, c'est ça, le troisième Hokage, accompagné du coup des ninjas contre Kyuubi. Ah, bah je sais pas du coup. Bah je pense que je vais faire la légende. Mais Mais du coup, je sais pas comment je vais faire pour vous proposer les deux, parce que je pense que j'essaie de vous proposer les deux. Alors, avant tout, je vous le dis, on va se concentrer principalement que sur l'histoire principale. Mais si vous savez qu'il existe des chapitres secrets comme il pouvait y avoir dans le 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que vraiment le 3, je pense qu'avec le 4 que j'ai jamais fait, c'est ceux que j'ai le moins touché. Donc n'hésitez pas, hein, un maximum de commentaires, il faut. J'adore ce personnage. Alors certes, pour le moment, techniquement, en termes d'histoire, on ne sait toujours pas de qui il s'agit, mais moi, bien évidemment, je le sais, et j'adore cette version de lui-même. Donc, messieurs dames, nous sommes Minato, le quatrième Hokage, si je me trompe pas, puisque le troisième, c'était Sarutobi Sensei. Mais du coup, voilà, je pense qu'en termes de scénar, on va s'arrêter là. Je remarque que déjà, de Storm 2 à Storm 3, il y a un truc qui change, c'est au niveau de la substitution. Cette fois-ci, on est limité en termes de substitution, et surtout, je crois, voilà, que c'est ça. Ça se recharge très, très, très lentement. Alors, petite explication pour les nouveaux, sachez qu'on va faire ça vite. A, c'est pour sauter. X, c'est pour envoyer des kunai. Y, c'est pour charger le chakra. Si vous restez appuyé sur Y, vous rechargez votre chakra. En fonction du nombre d'appuis, que ce soit 1 ou 2, avec Y et B, vous pouvez activer une technique ultime ou ultra ultime. Enfin, je crois que c'est super et ultime, quelque chose du genre. Et du coup, ça vous permet, voilà, comme ça, de faire des combos incroyables et formidables. Par la suite, on aura aussi la possibilité de faire des combats de 2 contre 2 à 3 contre 3. Même si c'est pas réellement des personnages qu'on joue, mais plutôt des soutiens. C'est quand même pas trop mal du tout. On est dans un combat de boss, ce qui veut dire que en termes de combat et en termes de QTE, vous allez voir que c'est assez différent. Enfin, je parle de QTE, mais en soi, il n'y a que les boss qui proposent des QTE. Et surtout, leur barre de vie est différente des nôtres. Vous voyez, regardez, il a plusieurs barres de vie alors que moi, je n'en ai qu'une seule. Alors, j'en ai qu'une seule, mais recouverte d'une autre vie. Donc effectivement, quelque part, c'est un peu la même chose. Bon, on va se concentrer un peu là parce qu'on fait n'importe quoi et j'ai fait un Rasengan dans les airs. Je suis pas fier, hein. Je suis pas fier du tout. Attends. Laisse-moi le temps de me chauffer un petit peu. Alors il y a aussi un autre truc qu'on peut faire en termes de combat et que je fais rarement en général en scénario parce que ça se passe toujours assez bien. Enfin, que je faisais rarement. Dès l'instant où vous perdez beaucoup de vie, il est possible d'activer une sorte de rage qui va vous permettre pendant genre 30 secondes d'être super fort. Mais on a quasiment jamais l'occasion de le faire en scénar parce que les combats sont bien trop simples. Voilà.諦めるには早いぞ。三代目。
いかに強大な力をお前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おお。これ以上里に手出しはさせん。行くぞ。Du coup, si j'ai bien compris, le niveau légende te permet de faire tous les combats de l'histoire, alors que le niveau héros restreint ou limite le nombre de combats ? C'est ça l'idée ? Parce qu'en gros, ce que j'ai compris moi, c'est que si je faisais le truc de héros, eh ben je défendrais la ville. Mais là, du coup, en faisant légende, je vais faire apparemment les deux. Ok, ça me va très bien, même c'est encore mieux. L'attaque de Kyubi 1, attention à l'attaque de Kyubi. Bah t'es Kyubi, la guerre ne marche pas. Attention aux attaques directes et aux débris. On va faire attention. Attention aux avis de danger, attention quand danger apparaît, quand un joueur de PV, Kyubi va attaquer, esquiver rapidement. D'accord, bon, on va essayer de faire ça bien. Sachez juste, jeunes gens, que je suis vraiment devant l'écran. Donc j'ai énormément d'éléments à l'écran. Je me rappelle effectivement qu'on pouvait taper des esquives en plein milieu de Konoha et qu'à partir de ça, eh bien, il faut émettre des attaques, préparation de contre-attaque. Esquiver attaquer au bâtiment à marque bleue. Utiliser des shurikens et des attaques techniques. Ah là ! Oui d'accord, attendez, j'ai vu ! Attendez. Du coup, si je me mets là, et bah si je me mets là, j'y suis allé. Ah là, attends. Je m'y suis mis trop tard. Bon, ça va être compliqué. Et du coup, Kyubi a lui aussi une vie de boss, ce qui est quelque part logique, ma foi. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai l'action B pour me permettre de lui retirer beaucoup de vie. Et apparemment, il faut pas brûler comme un gros chien, mais faire ça intelligemment et soigneusement en limitant le nombre de oula. Combo, non mais attends, mais il me fait des pluies de météorites. C'est du grand n'importe nawak. Maître Kage, Kyubi commence à ralentir. Nani, déjà? Attends, mais ça va hyper vite. Est-ce que par hasard je peux lui envoyer des shurikens? Je pense que oui, l'attaque de Kyubi 3. Utilisez votre soutien. Ah bah voilà, et du coup avec LB je peux donner des ordres de soutien. Quand un jeu de soutien est plein, utilisez-la à votre avantage. Excellent. Du coup, ça me permet d'appeler tous les ninjas de Konoha. Mais en l'occurrence, quand tu feras des combats de type classique avec tes camarades ninjas, ça permettra, eh bien, de juste appeler ton copain que tu avais dans ta poche. Tel un Pokémon dans une Pokéball. Allez, vas-y. Déglingus-le. On va tenter de pas trop s'exquinter la voix. J'ai fait une formation il y a peu et du coup, j'ai la voix qui est presque morte. Donc du coup, si je commence à monter et que vous entendez des trucs qui sont pas catholiques, je suis vraiment désolé. Utilisez vos renforts. Message urgent. Des renforts sont arrivés. Choza. Attends, Choza, c'est qui Choza? Choza. C'est pas le père de Choji? Je crois. Suivez les flèches autour du troisième Kage pour rencontrer les renforts. Ça me dit quelque chose. Choza. En plus, ça ressemble à Choji, donc ça m'étonne pas que ce soit ça, l'arrivée des renforts. C'est ça! C'est le père de Choji! Oui! Transforme-toi en boule! On va se faire un baseball de légende! Choza Akimichi! Oh, ça va être stylé! Oh, ça va être stylé! Je vois que c'est l'apparition des étoiles! Ce qui veut dire, jeunes gens, c'est l'apparition des QTE pour avoir des cinématiques normalement spéciales pendant les combats. Mais du coup, si on les rate, on n'a pas les cinématiques. Les actions contextuelles. Quand vous appuyez sur des touches pour suivre une vidéo, vous exécutez une action contextuelle ou AC. D'accord. Les étoiles, si vous réussissez l'AC, vous obtenez des étoiles. Plus vous appuyez rapidement sur les touches, plus votre score est élevé et vous obtenez plus d'étoiles. Obtenez beaucoup d'étoiles. Dans la dernière phase du combat, si vous avez toutes les étoiles, vous apprendrez peut-être un secret sur ce qui se déroule derrière le combat. Oh, c'est stylé. C'est exactement comme dans le 2, mais c'est stylé. Les actions contextuelles. Erreur de commande et bonus. Si vous appuyez sur les mauvaises touches, vous subirez des dégâts ou une pénalité. Ah, ça va être chiant. Vous devrez recommencer en fonction. D'accord, bien écoutez, on va se concentrer un maximum. Allez hop. Et de deux. Voilà, taclage incroyable et formidable. Ok, ça se passe bien jusque là. Petite pression, mais ils en ont parlé. Dans Naruto Storm 2, il était possible d'avoir deux séances de QTE. Ça veut dire que voilà, là déjà j'ai obtenu deux étoiles, mais par la suite je vais pouvoir en obtenir d'autres dans d'autres cinématiques. Mais du coup, il faudra que je les conserve, sinon j'aurai pas la cinématique bonus. On va tenter, les Kazma, de faire une aventure des plus propres. Si malheureusement je n'arrive pas à avoir une cinématique bonus, j'en suis désolé. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé de mon côté quand j'avais joué à Storm 3 la première fois. Parce que oui, j'ai bien évidemment déjà joué au jeu, tout comme j'avais déjà joué au 2. Le seul Storm que je n'ai pas fait jusqu'à présent, c'est le 4 avec le Road to Boruto là. Mais ça va arriver sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, mais en attendant, concentration ultima avec Salut Tommy. Oula, Sensei, c'est qui lui? C'est qui? Je le connais pas, c'est qui? Attendez, c'est juste un ninja ou je peux faire un truc avec lui? Franchement, je peux faire un truc. Lancer une attaque 50. C'est l'épaule qui va! Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! La fureur de l'homme bête! Oui! Vas-y! Oh yay! Ça va! Ça se passe bien!
Bon, par contre, on y va de 2 étoiles en 2 étoiles. On avance pas beaucoup. C'est très très long, c'est très très dur. Et je me demande du coup si on va repasser au combat avec Minato et l'homme masqué. Parce que je suis très 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 intéressé. Ah! Attention! Danger! Danger, danger, danger. Veuillez ne pas rester dans la zone. Oula, ça devient compliqué. Ah, attendez, parce que les zones en bleu, elles sont bien sympas, mais elles restent pas longtemps. Dans le genre, dès que je les vois, elles ont disparu le temps que je fasse de. Ah ah! Mi-tour. Vas-y! Vas-y! Vas-y, je crois que je me suis fait balayer. Alors là, c'est sûr, le rang S, il est pas pour moi. Parce qu'effectivement, on obtient des rangs pour les personnes qui ne savent pas en fonction de notre jeu, de notre temps et de nos combos, bien évidemment. Mais là, je suis pas ouf. Oh, c'est tellement brouillot ce que je vous propose. Je suis désolé, ça fait 2 ans que j'ai pas joué. Il faut vraiment m'excuser. Même pour moi, j'y ai jamais rejoué depuis. Alors que pourtant, j'en avais envie, même à un moment, de jouer avec des abonnés en plus. Mais ça s'est pas fait. Est-ce qu'on fera des parties avec des abonnés sur PC? Peut-être, honnêtement, peut-être. Je vais pas vous le promettre parce que je sais que je promets beaucoup de choses et que la plupart du temps, ça n'arrive pas. Notamment parce que je ne joue quasiment pas en ligne. Donc c'est aussi pour ça. Moi, je suis un joueur solo. Mais pour autant, voilà. Peut-être qu'un combat de temps en temps. Ça peut ne pas faire de mal. Oui, Lino Chikachu. Est-ce que c'est Lino Chikachu techniquement? Parce que là on parle des parents, pas des genoux, donc ça se trouve c'est pas la même chose. Mais en tout cas c'est très 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 stylé. Oui, vas-y. Oui, 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 yes. Ok, c'est une victoire parfaite. On a, messieurs dames, déjà obtenu la fin secrète du premier combat de boss. Ça se passe extrêmement bien. En même temps, c'est une phase de tuto, donc ne pas l'obtenir, je pense que ça aurait été vraiment nounou de ma part. Mais voilà, on était prévenus et ça se passe très très bien. Allez-y. Oh, c'est stylé, hein. Cette tempête de boules de feu incroyable. On croirait le 14 juillet. Yay! Victoire exceptionnelle, messieurs dames, conditions de combat accomplies. Alors, les conditions de combat, depuis le début de la vidéo, normalement, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que je vous les saute tout bonnement. C'est des phases de chargement qui ne sont pas nécessaires. Du coup, là, je vous mets le résultat, mais les phases de combat, vous ne les verrez que sur la fin. On a obtenu un rang S, alors qu'on a été extrêmement brouillon. Eh ben écoutez, tant mieux. Mais du coup, pour ce qui est du combat entre Minato et l'homme masqué, eh ben, on n'en a pas vu la fin, c'est dommage. J'aurais bien voulu savoir un petit peu comment ça se conclut. この葉は負けぬぞ。ここだ。これは契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。 Aha! Mais du coup, la séquence cachée, on l'a obtenue parce qu'on a réussi à avoir les combos et les QTE avec Kyuubi. Mais du coup, la séquence cachée se passe avec Minato et l'homme masqué, et ça, c'est intéressant. Du coup, c'était un double combat en un. J'aime beaucoup. Alors, bravo! Comme vous avez gagné beaucoup d'étoiles en AC, vous avez déverrouillé une séquence cachée. Bah, excellent! Sur les séquences cachées sont des vidéos qui se lancent si vous collectez assez d'étoiles. Elles sont cachées dans les différents combats de l'aventure ultime. Alors, faites tout votre possible pour les avoir toutes. Yann, yeah, on va toutes les avoir! D'accord, il s'est passé quelque chose de pas bien. Alors évidemment, pour les personnes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, en termes d'histoire, je sais pas si je peux vous le dire en vérité, parce que j'avais dit que je serais assez discret avec ça. Bon, on va faire simple. En gros, l'homme masqué, c'était le propriétaire de Kyuubi, hein, dans cette version-là. Mais par rapport à ce qu'on a fait, eh bien Kyuubi, il a été relâché. Là, il est en mode sauvage. Et du coup, il va se passer des choses dangereuses. Là, Kyuubi, en gros, il est plus contrôlé, donc il est un peu libre de faire ce qu'il veut. Là où avant, il se passait des choses bien. Oulala, j'ai réussi à faire un QTE incroyable, alors que je n'ai pas du tout vu venir. Oh là là, c'est incroyable ce retournement de situation totalement fou.
C'était beau, c'était très très beau, je me rappelais pas du tout de ça. Mais du coup ça s'est bien passé, une action cachée, succès débrouillé. Du coup c'est mon deuxième depuis le début, je sais pas si vous les voyez normalement, oui. Mais écoutez, je suis très 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 content. Bon, on attaque sa deuxième barre de life. Je crois avoir récupéré de la vie, non, parce que j'avais pas autant de vie que ça. C'est pas normal. Ah, j'ai loupé ma technique ultima, c'est triste. Alors attends, on va se concentrer. Je sais pas si je peux lui retirer toute sa vie à partir de ma technique ultima, mais je pense qu'il va me sortir un QTE, donc on va dire que... Oui, bordel, je vise trop mal, hein, c'est terrible. Vas-y. Oui. Double Sharingan. Ah, ça se passe bien. Je suis content. Non, je suis content parce que vraiment au tout début, quand on a affronté, comment il s'appelle, l'homme masqué tout à l'heure, j'étais pas chaud du tout. Mais là, ça va, ça commence à revenir petit à petit. C'est encore très brouillon, hein. Je pense que vous le voyez vous aussi, surtout pour les gros joueurs de Storm. Mais là, ça va. Honnêtement, ça va. Bien, c'est une victoire extraordinaire. L'épisode durera un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, on aura terminé le prologue. Ça s'est bien passé, je trouve. Non, vous trouvez pas? Moi, je trouve que ça s'est bien passé. Alors, est-ce qu'on a obtenu rang S? Attention. Double victoire extraordinaire avec Tonton sur sa boule dorée. C'est excellent, et bien messieurs, dames, je pense que je vais appuyer sur suivant et que je vais vous couper l'épisode là où j'estimerais que ça pourra faire une fin correcte. Ma foi, une fin qui me plaît. Triple S, excellent, parce que du coup, il comptabilise les deux combats en un, ce qui veut dire que... Mais j'y crois pas, mais le mec, il enchaîne des trophées de partout, c'est extraordinaire. Point gagné. Alors du coup, ça c'est quoi? Ça c'est à propos des fameux objets que je peux déverrouiller dans mon inventaire en combat. Du coup, j'en suis à 2500 sur 5000 parce que j'ai choisi de faire le combat de légende et je suis toujours au palier 1. Bah écoute, c'est bien. Minato Jonin, nouveau personnage disponible du coup pour les combats en local. Minato en Hokage disponible aussi. L'homme masqué, bien entendu. Le troisième Kogi, bien entendu. Salut Tobi Sensei, la voix du feu. Vous obtenez une image de carte ninja, excellent. Et du coup, j'obtiens tout un tas de choses incroyables et formidables. Excellent. サトの外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。またあれをやる気か。させるか、ボギー。 とか。4代目。分かってる。うお。港。キュービごと飛んだのか。 迫る脅威にただの一度も臆することなく。 大切なものを守るため、最後まで戦った。ここまでは何とかできた。けど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。 俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。
守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。